Aujourd'hui, vous allez m'aider à créer le nouvel iPhone. J'en ai marre d'avoir une petite caméra en haut de l'écran, donc je vais y ajouter une grande comme ça. Pareil, j'en ai marre d'avoir le bouton d'allumage sur le côté, donc il va partir juste en dessous comme ça. Et du coup, sur le côté, je verrai bien des petites caméras bien discrètes comme ça pour espionner les gens. Voilà, je pense que c'est suffisant, nickel. Et vous avez vu, maintenant sur les téléphones, ils mettent 3 ou 4 caméras derrière, mais pourquoi pas en avoir une vingtaine. Voilà, je pense que c'est un iPhone qui va plaire aux photographes, tout ça. Parfait. Bon, par contre, moi qui suis un gamer, je rajouterais bien, comme une petite Game Boy, un joystick, des boutons comme ça, et un volant, évidemment, au plein milieu. Un petit port HDMI pour le brancher à la télé, évidemment, et le logo Android, bien entendu. Je vous présente mon nouvel iPhone pour un prix seulement de 2600 euros. Si tu le trouves affreux, abonne-toi.